Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Bishop, bonjour. Pardon, bonjour. Oui, une année s'achève. Oui. Une autre va commencer. C'est l'occasion de souhaiter les vœux les meilleurs à tout ce peuple d'ici et d'ailleurs pour que cette nouvelle année-là, l'éternel Dieu de Papa Florian puisse nous accompagner. Donc, Bishop. Bonjour encore, peuple de Dieu. L'année 2020 a été vraiment difficile. Difficile pour tout un chacun de nous. Difficile pour le corps de Christ. Difficile pour le monde même. Oui, la planète toute entière. La planète toute entière. Tout le monde a subi vraiment beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés au plan sanitaire avec ce virus. Mais nous voulons remercier le Dieu de Papa Florian qui a été avec nous, qui nous a protégés, qui nous a gardés, qui nous a guéris, qui nous a soignés. Et nous voulons également dire merci au peuple de Dieu qui a été là, voilà, oui, qui a été toujours là pour soutenir l'œuvre de Dieu, malgré la situation difficile. Des personnes qui ont donné à cœur joie, des personnes qui ne se sont pas fait prier, des personnes qui ont démontré leur amour intense, leur amour fou pour le Dieu de Papa Florian. Nous vous disons merci et nous voulons profiter pour vous souhaiter une très bonne année 2021. Et nous nous appuyons sur le Dieu de Papa Florian pour que l'année 2021 soit une année meilleure, une année bonne. Dieu avait promis nous remplacer les années que la sauterelle avait dévorées. Et nous croyons que les années ou les mois que la sauterelle avait dévorées en 2020, nous serons remplacés en 2021. L'objectif que tu n'as pas pu atteindre cette année, nous prions le Dieu de Papa Florian pour que 2021, tu puisses atteindre cet objectif. Ce que tu avais perdu en 2020, nous prions le Dieu de Papa Florian pour que 2021 soit bonheur, soit santé, soit grâce, soit faveur de l'Éternel dans la vie de toutes les familles, de tous nos frères, de toutes nos sœurs, d'ici comme de l'autre côté. Parce que ici comme de l'autre côté, vous êtes avec nous, vous nous soutenez et vous êtes avec le Dieu de Papa Florian. Bonne fête à chacun d'entre vous. Bonne année à chacun et à chacune. Que le Dieu de Papa Florian soit avec vous pour vous donner toujours la joie que Papa Florian prône. La joie que Papa Florian dit tous les jours. Que cette joie-là soit le partage de chacun de nous en 2021. Voilà. Et que la paix de l'Éternel. La paix de l'Éternel qui surpasse toute paix soit avec chacun de nous. Jésus-Christ a dit, moi je vous donne ma paix, non pas comme le monde. C'est-à-dire quoi? Le monde, quand on parle de paix dans le monde, c'est-à-dire il faut qu'il y ait la tranquillité, il ne faut pas qu'il y ait de guerre. Mais est-ce qu'on peut avoir un monde sans guerre avec ce diable qui est déchaîné sur cette terre-là? Mais Jésus-Christ, dans tous ces pagailles-là, il nous rassure. C'est ça la paix qu'il donne. Dans tout ça, il nous donne la tranquillité. C'est ça la paix que Jésus-Christ nous donne. Et ça sera le partage de chacun de nous pour 2021. Voici notre souhait même aussi à l'endroit de toutes les nations. Parce que dans chaque pays, il y a un enfant du chemin du ciel. À travers toi, que Dieu donne la paix à ton pays aussi. À travers le sang de Jésus que vous possédez, que Dieu de Papa Florian donne la paix à chaque pays. C'est notre vœu pour 2021. Nous vous souhaitons la santé, nous vous souhaitons le bonheur, nous vous souhaitons la grâce de Dieu et la joie de Papa Florian. Donc bonne année à tous, bonne année. Et que cette grâce-là les accompagne jusqu'à la fin de leur vie. Jusqu'à la fin de votre vie. Que tous les mois de 2021 soient sanctifiés par le Dieu de Papa Florian, soient joints par le Dieu de Papa Florian. Que Dieu nous bénisse. Ouais. On va profiter pour remercier vraiment très, très, très chaleureusement ce peuple. Mm-hmm. Parce que, Bishop, le peuple de Dieu est merveilleux. Le peuple de Dieu est formidable. Le peuple qui est attaché au Dieu de Papa Florian, il n'y a pas pareil peuple. Je n'ai pas encore vu depuis que je vais à l'église. Parce que c'est un peuple qui ne se fait pas prier. C'est un peuple qui ne se fait pas supplier et qui vient à cœur joie. Malgré la situation difficile de 2020, malgré cette pandémie, malgré que les gens ne travaillaient plus, les licenciements, mais le peuple de Dieu a donné pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le peuple de Dieu a soutenu la caisse en or. On doit dire bravo à ce peuple. Bravo à chacun de vous. Acclamation à ce peuple. Félicitations à ce peuple. Et que votre nom soit toujours inscrit dans ce livre de vie. Et que cette caisse en or que vous avez vue là soit aussi un véritable miracle. Peuple de Dieu, si vous avez vu au chemin du ciel,
on ne force pas à donner. Chacun donne selon son cœur. Selon son cœur. Selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Dans son cœur. Bon. Qu'on ne vous force pas. Qu'on ne vous force pas à donner. À donner. Voilà, d'autres apportent aujourd'hui. Un jour, comme ça, ils vous appellent que j'ai envie d'apporter encore une deuxième tranche. Vous voyez, eux-mêmes comme cela, ils donnent spontanément. Et c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Vous voyez, quand on ne t'appelle pas pour dire, bon, donne-moi tel montant, donne, fais comme ça, donne tout ton salaire. Non. Ici, nous ne faisons pas cela. Nous ne demandons pas des salaires des gens. Nous ne demandons pas des sommes colossales. Non. Ce que nous disons, on dit, si Dieu t'a béni, c'est ce que Papa Florent dit toujours, si Dieu t'a béni, pense aussi à son Dieu. Une fois qu'ici, on annonce quelque chose, des gens me vous appellent systématiquement. Vous dites, bon, écoute, tout à l'heure, je t'envoie quelque chose. Demain, je vous envoie. Et c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Et bravo à vous, peuple de Dieu. Bravo à vous. Vous avez démontré. Il y a des gens qui ont donné, qui n'ont jamais vu Papa Florian physiquement. Oui. Des gens qui ont donné, qui se sont jamais assis à côté de Papa Florian. Oui. Ça témoigne de votre foi et de votre obéissance à ce Dieu. Et ces gestes-là, Dieu ne peut pas les oublier. Dieu ne peut pas les oublier. Pour certains, ce sont des semences. Et vous savez que certaines semences, pour d'autres, peuvent prendre 6 mois, d'autres peuvent prendre 3 mois, ainsi de suite. Je sais que ton heure de récolte aussi arrive. Et 2021, nous prions ce Dieu-là que ça soit notre heure de récolte pour tout ce Amen. Que nous avons semé en 2020. Amen. Parce que dans 2020, malgré Corona, tu as donné. Tu as donné et tu as donné. Que ce Dieu-là ne t'abandonne jamais. Amen. Que tes ennemis soient nos ennemis. Amen. Oui, aussi longtemps que le ciel sera éloigné de la terre, c'est comme cela que Dieu va éloigner aussi vos ennemis pour que vous ayez la tranquillité dans votre vie. Amen. Que ce Dieu-là nous bénisse toujours, 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 toujours. Merci encore, peuple de Dieu, et bravo à tout le monde, la diaspora, les frères d'ici. Ici même, on a des frères qui étaient à Bundiali, loin, loin, mais quand même qui ont appelé, qui dit, ah, on arrive, hein, on vous envoie notre contribution. Oui. Que ce Dieu-là ne vous abandonne pas, qu'il vous bénisse. D'abord, vous êtes mobilisés, qu'il mobilise aussi les anges. Pour vous, en votre Amen. Affaire. Donc, Bishop, on va profiter, comme c'est la joie maintenant au ciel, sur la terre, partout. On va dire au peuple de Dieu, qu'est-ce qui les a marqués en 2020? C'est-à-dire, depuis qu'on a commencé ce ministère, les témoignages qui ont marqué. Des témoignages qui vous ont marqué depuis votre entrée dans ce ministère, depuis que vous êtes avec le chemin du ciel, depuis que vous êtes avec le Dieu de Papa Florian. Parce qu'ici, tout est témoignage et c'est témoignage qui vous envoie ici. Donc, le témoignage qui t'a touché, qui t'a marqué, tu peux commencer à relever ces témoignages. Il faut faire un résumé. Il faut être bref ce samedi prochain parce que le samedi prochain, l'occasion vous est donnée d'appeler. On va vous donner l'heure, le top départ ce jour-là. Vous allez appeler pour donner le témoignage qui vous a marqué. J'ai fait un exercice hier, je vous ai montré un exemple. Voilà, du témoignage qui m'a marqué. Donc, si comme moi, il y a un témoignage qui vous a marqué ou bien des témoignages qui vous ont marqué, vous appelez, vous dites, ah, voici le témoignage qui m'a marqué. Et puis, on va encore bénir le Dieu de Papa Florian pour ce qu'il fait toujours pour ses enfants. Voilà, donc je vais rapidement rappeler les différents contacts que vous connaissez. On a le plus 225 08 67 69 41, le plus 225 06 24 11 11, le plus 225 06 67 67 99 et le plus 225 49 14 0101. Si tu appelles samedi là, c'est pas pour donner ton témoignage encore. Si tu as un témoignage, la semaine à envoie, fais une très belle vidéo et puis tu envoies le témoignage. Une bonne vidéo bien éclairée, la voix sort et puis tu es précis, tu nous envoies. Mais samedi, si tu dois intervenir, c'est pour intervenir sur un témoignage. Voilà, qui t'a marqué. Ou bien tes témoignages. Ou des témoignages qui t'ont marqué. Mais brièvement, pour permettre aussi. Parce que je sais que beaucoup vont appeler, donc pour permettre aussi aux autres d'appeler, d'avoir la ligne et puis s'exprimer aussi. Parce que ça sera un moment de joie ce samedi. Donc voilà un peu les informations que nous voulons partager avec vous. Pour dire que le Dieu du Papa Florent est content de vous, il est fier de vous, il vous félicite, il vous encourage, il ne vous abandonne pas. Que Dieu soit avec nous et qu'il nous accompagne en cette année 2021. Au nom de Jésus.